Mbede. Obe church ye ye de kema gananyo vodu ye ye oyawa nanyima. Ne menye nududu be klobu ye miachamidoa achi te defendre mau. Amen. Voneye nenye nududu taye mi le wodo adoa. No glonya dia mi agbobe mi ababolo lagbele na mi. Mi ababolo ye tako ne nenye mele mau do onsa nyema dunu. Ah? Nenye mele mau do onsa koye konye mau nyema do afia. A woman a signé oya. C'est l'Éternel qui nous a appelés. Dieu doit se lever aujourd'hui. Pastor Marcelo. Yes. Et vidéo de. Y a mec pas et benade. Christo hamia. O tu va le blé. Yes. Y a Christo to mau va meo. O tu mau be hamé. Ne o le jave suba mawa wa be wa biogbe. Aba suba mawu cha biogbe ken gba suba mawa. Ebe nu ka o mi o mi le gbe. Ale ke o chopo nu fodo a. Me be ah ke ma nya me bube na. Ta frache enye ko e. Vanang de mawu nu va mo cha gbale. Yes. Ela be na. Oh, hallelujah. Amen. Ye me be du ko sia du ko me la mawu pona me de kokoko. Be an evangde yenu enu sile jojo menye bena tafrache mau subo subo la kafra ekbe obo magado church la fire ke church yeye magananyo vovodu yeye ola nanya vodu yeye ola nanyi wado vodu yeye wa mi be awa mbede obe church yeye de ke magananyo vodu yeye ola wa nanyi ma Mio mi lek mabe awa. Om mebede. If you ome le doa o ma. Nyati mele bi omi ewa. Ya. E doi omi le nyebe. Nemi de luvwa. Mia popu luvwa. Mia wakbadone. Obo ongba wakbadone yo. If you ome ole chitede. Evangile anti ema. No kakama unya. Na mo boa. Ola wakbadone o. Abaya wakbadone yo. Ebe yo. Zingi yo. Mino suba le fima kengbo. Yem wagbon be o me ga odo vo mawu yo mi agbon yo nanyi dade a me be yo anachite l'éternel se lève me be tu po kachite le ciel se lève me be yo anachite l'éternel se lève yo anachite l'éternel se lève tu po anachite le ciel se lève gbogbo kokwa anachite saint esprit se lève mi gbo amen se se ta plus fort amen. Oh, Jesus, asseyez-vous s'il vous plaît. Il y en a qui ont peur de se prononcer dans cette affaire. Comme quoi, s'ils se mettent à se prononcer, ils seront peut-être incarcérés. Les lieux de culte seront fermés et ils n'auront plus de quoi manger. Je voudrais savoir si l'église d'aujourd'hui est devenue un mangeoir. L'église de Dieu n'est pas devenue un mangeoir. Même si nous ne servons pas Dieu, si je ne suis pas serviteur de Dieu, moi je vais facilement manger. Je vais travailler et gagner mon pain quotidien. Est-ce que si je ne suis pas serviteur de Dieu, je ne vais pas avoir ma propre maison, je ne vais pas acheter ma propre voiture? C'est faux. Si je n'étais pas serviteur de Dieu, les biens matériels de ce monde-là, je vais me battre dans le travail afin de les avoir. J'ai eu à suivre un peu la prédication du pasteur Marcelo et il disait que aujourd'hui, on nous demande de demander l'autorisation avant d'aller prier, de demander l'autorisation avant d'aller prêcher l'évangile. Est-ce qu'on doit demander l'autorisation avant d'aller prier pour le Seigneur, le roi des rois, le créateur du monde entier? Est-ce qu'il faut demander l'autorisation avant d'aller implanter une église quelconque quelque part? Non, c'est tu vas quelque part et tu annonces l'évangile et que les âmes se convertissent, ce que tu dois faire, c'est d'essayer de construire un temple en paille ou en tôle à ces âmes-là afin qu'ils commencent par adorer le Seigneur là-bas pour que vous puissiez penser encore sur comment faire pour construire un bon temple dans le futur. Et si ce n'est pas un mangeoir que nous les chrétiens, nous avons créé, il faut que notre Dieu aussi se lève aujourd'hui. Et dans chaque nation, le Seigneur se trouve quelqu'un pour lui-même. Moi, je me disais, je suis la seule personne qui venge de temps en temps la cause de Dieu. Mais j'ai constaté finalement que Dieu dispose des gens dans de différentes nations. Et au Togo, je suis l'un de ces personnes. Suba suba o one wele nunya mebe mba de funame. Gadone mi aba fa dodo cha. E de na fu. Ya no tada pe onti, de suku onti a. Wazan nunya o ma de funamo.
La dernière fois, quand je revenais, arrivé au niveau de la barrière de Noche, aux environs de 23 heures, Amen. Amen. Alors, je disais tout de suite que la dernière fois seulement, tout récemment, je revenais de Lomé. Et arrivé au niveau de la barrière de Noche, aux environs de 23 heures, il y a une boutique ou un supermarché qui est à gauche voulant traverser le feu rouge en même temps. Malgré qu'il sonnait 23 heures au-delà, on jouait de la musique à un volume très élevé. Et les gens dansaient là-bas. J'ai demandé au chauffeur de serrer, il a serré. Je suis rentré dans le supermarché et j'ai fait des achats là-bas avant de revenir chez moi à la maison. Et dans des nuits profondes, nous allons entendre des tam-tams qui sont joués dans des couvents. Malgré cela, les chrétiens ne se lèvent jamais pour aller se plaindre auprès des autorités comme quoi les gens cela sont en train de les déranger par le bruit de leur tam-tam ou par le bruit de leur musique. Mais quand les chrétiens se mettent à louer leur Dieu, quand les chrétiens se mettent à commencer par prier, ces gens se lèvent afin d'aller se plaindre comme quoi le bruit que nous sommes en train de mettre les tue ou les provoque des maladies. Mais de coucou, je ne suis pas en train de cautionner ceux-là qui vont jouer de la musique afin de déranger les autres dans leur maison. Non, soyons francs. Voilà, il faudrait qu'on sache comment adorer Dieu dans l'intelligence pour que les autres aussi ne soient pas empiétés dans leur liberté. Parce que moi-même aussi j'étais à Lomé entre temps. Je ne le vois pas en toi. Dieu s'est levé. Amen. Réponds Amen.
Vous allez voir. Alléluia. Asseyez-vous. À l'époque des serviteurs de Dieu comme Paul, Paul a été l'homme qui a enseigné aux chrétiens ou à toute personne de se soumettre aux différentes autorités, parce que les autorités viennent de Dieu. Mais au même moment, quand Paul est arrêté à cause de l'évangile et on l'interdit de ne plus prêcher l'évangile, quand il sort du lieu où il a été incarcéré, il dit non. Le contexte dans lequel il demande à tout le monde de se soumettre aux autorités n'est pas le contexte dans lequel ils sont en train de le persécuter, voulant empêcher l'expansion de la parole de Dieu. Et en ces derniers temps, notre Dieu aussi s'est levé. Et mon papa, dans un adage africain, dit bon, le singe et la chimpanzé sont des animaux de brousse ensemble. C'est mon papa qu'on est en train de projeter sur les écrans. C'est lui qui lève la main plutôt. Cet homme voyant, c'est lui qui m'a donné naissance. Alléluia. Amen. Il est au-delà de 100 ans. Dites amen. Amen. Si tu m'entends, dis amen. Mon papa dit dans un adage africain que le singe dévore souvent le maïs de l'agriculteur au champ. Mais la chimpanzé ne mange pas le maïs du champ. Alors, quand le propriétaire du champ arrive dans son champ, il va surprendre en flardant de lit le singe en train de dévorer son maïs comme ça. Mais il va laisser de côté le singe, la chimpanzé, puisqu'elle est en bon point et a assez de velues sur sa peau, le cultivateur va essayer de tirer sur la chimpanzé parce qu'elle est en bon point. Et il dit, Amen. Alors, pour finir l'adage de mon papa, pour conclure son adage, dit souvent qu'il reconnaît que je suis l'enfant le plus poli, le plus obéissant. Mais ma persécution, elle est intense. Mais lui, ce qu'il peut tirer comme conclusion, c'est parce que les ennemis, les gens sont en train de voir quelque chose de bon en moi. C'est pourquoi ma persécution, elle est intense. Et je dis souvent, si dans une maison, il y a des enfants qui sont devenus des malades, des mongols, les méchants n'iront jamais attaquer ces enfants malades, ces enfants qui sont devenus des mongols. Mais les enfants qui sont dans la même maison et qui ont un avenir promettant, un avenir meilleur, ce sont ces enfants que les méchants attaquent.
bien que je sois un serviteur de Dieu qui essaie d'obéir à toutes les lois, qui s'humilie, qui est poli, ma persécution, elle est tellement intense de la part de certains serviteurs de Dieu, de la part des esprits mauvais et de la part des hommes de loi. Mais je suis en train de dire, si le Seigneur a pu remporter la victoire pour nos prédécesseurs, je suis certain que ma victoire est aussi garantie. Si Paul a demandé à ce qu'on intercède en sa faveur, ce matin, je vous demande d'intercéder en moi.